அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இன்று காலை பகுதியில் வந்து நம்ம ஆலயத்தில் கூட முடியாத இருந்த போதும் இந்த லாக்டவுனில், ஆனால் நம்மளை வந்து அது தடங்கல் செய்யவில்லை. நம் வீட்டில் நம்மளே நம் கூடுவதற்கு Voilà, j'aimerais revenir sur pour faire un lien avec ce qu'a partagé avec nous Aniel samedi dernier. நான் வந்து போன வாரம் சகோதரர் அணியல் அவர்கள் செய்த அந்த பிரசங்கத்தையோட நான் வந்து இப்போது வந்து அதோட லிங்க் பண்ணி இப்போது நான் பேச இருக்கிறேன். Aniel nous a rappelé sabbat dernier que nous sommes des évangélistes potentiels. En tout cas, ceux et celles qui ont déjà accueilli Jésus dans leur vie. Et l'évangile d'amour de Dieu a rempli notre cœur et a transformé notre vie. C'est pourquoi nous sommes conviés à le dire aux autres. J'aimerais nous poser une question. Es-tu si imprégné de l'amour de Jésus dans ton cœur? Que tu ne peux pas faire autrement que d'en parler autour de toi. Quand on a vécu une heureuse rencontre, eh bien, on a envie de le partager, de le dire à d'autres proches, à des connaissances, des amis, de la famille, etc. Quoi. Partager une bonne nouvelle qu'on a reçue. தேவனுடைய அந்த சுவிசேஷத்தை நமது மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வது, நமது உறவினர்கள், நமது பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள், நமது நண்பர்கள் இவர்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வதுதான் நமது ஒரு ஆவலாக இருக்கும். Je pense à cette femme de Samarie qui, après avoir rencontré Jésus, retourne dans sa ville, Jean chapitre 4. நான் இந்த நேரத்தில் நினைவு கூறுகிறேன், சமாரி ஸ்திரியானவள் இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தித்த பிறகு அவள் தனது ஊருக்கு திரும்பி போகும்போது அந்த காரியத்தை நாம் படிக்கலாம். யோவான் 4 அதிகாரம் படிக்கலாம். Elle était venue pour puiser de l'eau, du coup même elle oublie sa cruche au bord du puits. அவள் வந்து அந்த தண்ணி எடுக்க வந்தால் அந்த பாத்திரத்தையும் அவள் மறந்துவிட்டு செல்கிறாள். Et elle va annoncer à la ville, aux gens, verset 29. 29 வசனம், யோவான் 4 அதிகாரம் 29 வசனம், நான் செய்த எல்லாவற்றையும் ஒரு மனுஷன் எனக்கு சொன்னார். Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Et le texte continue en nous disant que tous ces gens qui entendent le témoignage de cette femme sortent de la ville et ils vont vers Jésus. Et nous voyons un petit peu plus loin au verset 41. Alors que bon nombre de Samaritains entendent le témoignage de cette femme, bon nombre vont croire en Jésus. Verset 41, le texte nous dit un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. இன்னும் அநேக பேர் விசுவாசித்து அந்த ஸ்திரியை நோக்கி, உன் சொல்லி நிமித்தம் அல்ல, அவருடைய உபதேசத்தை நாங்கள் கேட்டு அவர் மெய்யாகவே மெய்யாக கிறிஸ்துவாகிய உலக இரட்சகர் என்று அறிந்து விசுவாசிக்கிறோம் என்றார்கள். Je pense également à ce mendiant aveugle né guéri par Jésus. அந்த பிச்சை எடுத்துக்கொண்டிருந்த ஒரு பிறவி குருடனை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Il est guéri par Jésus un jour de sabbat. ஒரு ஓய்வு நாள் அன்று இயேசு கிறிஸ்துவரால் அந்த குருடன் குணமாக்கப்பட்டான்.
Et cet homme se met à témoigner de sa rencontre transformatrice avec, dit le texte, un homme qu'on appelle Jésus. Jean 9, verset 11. Il raconte ce que Jésus a fait pour lui. Et il va dire un petit peu plus tard, alors qu'on va l'interroger à propos de celui qui l'a guéri. Les pharisiens en particulier l'interrogent en disant, mais qui est-il celui qui t'a guéri? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Verset 17. L'homme guéri répond, c'est un prophète. Parce qu'il se dit, il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre qu'un prophète qui puisse faire un miracle tel que celui dont j'ai été témoin, dont j'ai fait l'expérience. Il dira plus tard, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors Jésus se rapproche de lui, au verset 35, alors qu'en fait Jésus le rencontre sur son chemin. Il lui adresse cette parole, verset donc 35, crois-tu au Fils de Dieu? Et lui de répondre, j'allais dire tout bonnement, tout simplement, mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus de répondre, tu l'as vu, lui dit Jésus. C'est celui qui te parle. Et cet homme continue à dire, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Vous avez remarqué la progression de ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? De manière générale, le croyant qui devient, on va dire, évangéliste, celui qui devient disciple de Jésus, un disciple témoin, cet homme se définit comme une personne qui a vécu une rencontre avec Jésus. Une rencontre qui a transformé sa vie. Et il n'a qu'un seul désir, c'est d'en parler autour de lui. L'apôtre Paul, qui avant s'appelait Saul de Tarse, cet homme qui était exterminateur des chrétiens, est devenu Paul, l'apôtre de Jésus-Christ. Il est devenu un courageux conquérant pacifique. Et quand Jésus se révélera à lui, acte 26, verset 16, Jésus lui dit, je ferai de toi le témoin des choses que tu as vues. Et Saul
dira un petit peu plus loin, au verset 19, « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Il le dira même et témoignera devant Agrippa, le roi Agrippa. Comment ça s'est passé dans votre vie? Comment vous êtes devenu disciple de Jésus? Comment vous étiez avant? Comment s'est passée votre rencontre avec Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé après? Je peux vous dire en tout cas que quand j'habitais à Montreuil dans mon adolescence, j'ai fait partie d'une petite bande de voyous. Mais un jour, je l'ai rencontré. Et depuis, ma vie a été transformée. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Vous voyez, ça c'est les trois étapes, les trois temps d'une conversion. C'est intéressant, puisqu'on est dans l'évangile selon Jean, de voir au début de cet évangile, chapitre 1, l'évangile de Jean nous rapporte une série de rencontres fort intéressantes. Au verset 29, quand Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui, il dit à tous ceux qui sont présents, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et on retrouve même un peu plus loin, au verset 35, Jean avait des disciples, des gens qui suivaient son enseignement. Et deux de ses disciples qui passent par là, ayant regardé Jésus qui passait, Jean témoigne et dit, voici l'agneau de Dieu. Et il y a d'autres rencontres qui vont se faire. Parmi les deux, il y avait André et Simon-Pierre. Voilà, et alors qu'il rencontre André, son frère Simon-Pierre, il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Vous voyez, pour Simon et Pierre, eh bien, pour Simon et André, ça représente le Messie. Jésus représente le Messie. Pour Jean, Jésus représente l'agneau de Dieu. Et pour toi, que représente Jésus? Verset 43, on voit que Jésus, le lendemain, rencontre un certain Philippe. Et il lui dit, suis-moi. Verset 45, Philippe rencontre Nathanaël.
Philippe Nathaniel Kangira. Et quel est le témoignage de Philippe? Philippe Verset 45. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe Nathaniel Kande, Niaye Pramathinale, Moseyum, Dikrasilum, Edirkrade Kando. Our Joseph in Kumaranam, Nazareth, Narizith, Uranage, Yesuve, Endra. Voyez, chaque homme qui vit cette rencontre avec Jésus l'exprime de manière différente, mais les raisons, enfin l'objectif est le même, c'est-à-dire la raison de leur rencontre, leur découverte de la personne de Jésus est différente de l'un à l'autre, mais c'est toujours la même personne, c'est le Jésus. Il est intéressant de voir ce que dit au verset 49 Nathanaël. Et comment il considère Jésus? Rabbi, maître. Rabbi. Tu es le fils de Dieu. Le roi d'Israël. Vous avez remarqué dans ce récit une succession de rencontres personnelles d'hommes avec Jésus. Il témoigne de faits particuliers qui ont occasionné cette rencontre. Et ils se mettent à confesser leur foi nouvelle. Et pour Jean et pour les autres, c'est à partir de son rencontre où ils voient Jésus, eh bien, qu'ils vont témoigner de ce qu'ils ont vu, entendu. Être le témoin que Dieu attend de nous. Être de la bonne nouvelle en Jésus. Je ressens un fort besoin d'une énergie spéciale qui me pousse, m'enthousiasme à aller de l'avant. Et comme nous le disions ce matin dans le groupe de l'école sabbat des jeunes, celui qui peut seul réunifier en Jésus les hommes, celui qui peut seul réunifier les hommes en Jésus, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'impulsion du Saint-Esprit. C'est indispensable et incontournable. L'évangile de Marc au chapitre 16, verset 20. Marc, se termine par ces paroles. Ils allaient prêcher partout. Donc Marc 16, 20, ils allaient prêcher partout tandis que le Seigneur travaillait en eux et confirmait le message par des signes qui l'accompagnaient. Je trouve que c'est une belle représentation de ce que doit être l'activité évangélisatrice de l'Église à toutes les époques. Le Seigneur ressuscité a travaillé avec eux. Le Seigneur s'est engagé dans un effort de collaboration avec eux.
afin qu'au travers de leur proclamation de l'Évangile, remplis de foi, que la puissance de salut soit montrée à ceux qui en avaient le plus besoin. L'Église est une communauté de disciples missionnaires. Jésus nous a tracé la voie. Il dira dans Jean chapitre 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, aussi je vous envoie. Jean 20, verset 21. Jésus est notre modèle. Sa mission a commencé avec son baptême par Jean. Quand il fut baptisé, le Saint-Esprit descendit, nous dit Luc 3, 22, descendit sur lui sous la forme d'une colombe. On a l'impression que le ciel s'est ouvert suite au baptême de Jésus. Voilà, et l'Évangile ne dit pas que les cieux se sont ensuite, après son baptême, se sont refermés. L'implication de Jésus dans son ministère s'est fait à ciel ouvert, on va dire. Après son baptême, il fut rempli du Saint-Esprit. Et le test continue dans Luc 4. Verset 1er. Et ce même esprit va l'accompagner, le conduire dans le désert. Et après ce séjour dans le désert, eh bien, il va continuer son ministère en direction de la Galilée. Et toujours revêtu de l'esprit, de la puissance de l'esprit. Et on peut dire que bien que le Fils de Dieu, Jésus, a choisi de vivre comme un homme, Jésus dépendait aussi dans son ministère de l'Esprit Saint. Et on le voit quand il rentre dans une synagogue, verset 18-19. Et qu'il se met à lire donc un texte de la Torah du prophète Ésaïe. Le texte dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. » Jésus a déclaré que ce passage finalement s'accomplit en lui-même. Jésus a été oint du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il va réaliser comme acte bienveillant, il le fera par le Saint-Esprit. Comment,
Comment le Seigneur peut-il s'attendre à ce que les chrétiens ordinaires que nous sommes fassent ce qui est extraordinaire ou même impossible? எப்படி வந்து தேவனானவர் நாம் சாதாரண மனிதர்களாக இருக்க நம்மிடத்துல வந்து ஒரு பெரிய செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை வந்து எப்படி எதிர்பார்க்கிறார்? Et il va révéler le secret dans Actes chapitre 1, verset 8. Il va révéler le secret dans ses dernières paroles avant de monter au ciel. Vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint sera venu sur vous et vous serez mes témoins. Et nous le voyons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 49. C'est l'Esprit Saint qui revêtira les disciples d'une puissance venue d'en haut. Vous savez que quelques semaines plus tard, 50 jours après Pâques, au moment de la Pentecôte, la promesse de Jésus s'accomplit. Le Saint-Esprit est en quelque sorte tombé sur les chrétiens rassemblés dans le Cénacle et par une manifestation d'un vent puissant, des langues de feu qui se posent au-dessus de leur tête. Il y a comme l'amour de Dieu qui a commencé à brûler en eux. Leur timidité, leur peur ont disparu. Ils étaient remplis d'une audace extraordinaire. C'est par l'amour du Christ. Ils ont fait exactement ce qu'il avait ordonné, Jésus. Ils sont sortis dans toutes les directions pour annoncer l'Évangile. Et on rapporte que quelques siècles et peu de temps après, finalement, de la nouvelle Église, déjà la moitié de l'Empire romain est touchée par les chrétiens. Chers amis, chers frères et sœurs, je suis persuadé qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus aussi nous rappelle à son Église qu'il est vivant et ce qu'il a fait à son époque, il peut le faire encore aujourd'hui. Le Seigneur est disposé à revêtir à nouveau ses enfants d'une puissance venue d'en haut. Cette puissance venue d'en haut, l'Esprit Saint, nous rend capable d'apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Voulez-vous que le Seigneur vous remplisse de son esprit, vous accorde une portion particulière pour témoigner de votre foi? Pour dire à
Un ami, une connaissance, viens écouter les conférences avec le pasteur Charles. Viens, tu vas écouter ce que tu vas entendre parler de la personne que j'ai rencontrée et qui a bouleversé ma vie. Veux-tu être de cela? Veux-tu être de cela? Je vais prier pour vous. Prie avec vous. Afin que le Seigneur nous inspire, nous remplisse de son esprit pour nous guider d'aller vers ceux et celles qui pourraient encore, qui attendent la bonne nouvelle de Jésus. Nous allons prier ensemble et je prierai en même temps pour les sujets de la fiche de prière pour cette semaine jusqu'à la semaine prochaine. Bon Père Céleste, merci de nous avoir permis de partager cette parole de l'Évangile. Merci de tout le chemin que tu as parcouru dans nos vies, les transformations que tu as opérées, et ce n'est pas terminé, tu veux continuer à travailler en nous. Alors, accorde-nous une portion particulière de l'Esprit Saint afin de pouvoir partager ce que tu as fait pour nous dans notre vie. Je voudrais te recommander, mon Père, aussi notre jeunesse, on prie chaque semaine, déjà pour les enfants, les jeunes de nos familles. Je voudrais penser particulièrement à ce matin, Suveta, Subiska, Subiksha et Joël, James. Je voudrais penser à Célestine, Gérard, Ghislain, Jérôme. Je voudrais penser à Abilot, à Juni, Sajante, Kandasamy. Seigneur, visite ces jeunes. Tu puisses les fortifier les uns les autres dans leurs besoins personnels. Seigneur, que ta grâce continue à se manifester dans leur vie, Seigneur, et qu'ils puissent être ces témoins que tu attendais. Continue, Seigneur, à fortifier le frère de Joti dans sa santé, ainsi que Valérie, Antoine, Victor aussi qui est parmi nous, Claudine, Sutassini aussi qui a besoin, Seigneur. Fortifie Roméo, Georges également. Bénis tous ceux qui recherchent aussi, c'est pas évident aujourd'hui, un emploi. Je pense à Arun, je pense à Renaud, à David, à André aussi. Voilà plusieurs de ces jeunes. Et puis ceux qui ont besoin d'être motivés dans leur foi, et qui puissent les renforcer en toi, je pense. Eh bien, nos amis Larma et Julien. Merci à tous ceux qui te recherchent, tous ceux qui peut-être s'apprêtent à faire un pas de plus avec toi, puisses-tu les inspirer, les guider, et que ta grâce bienfaisante, transformatrice, continue à transformer des vies parmi nous, autour de nous. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen.